Salut tout le monde, ben voilà comme promis, hein, Lunabotti au rendez-vous pour vous présenter ce deuxième objet. Donc c'est le glaive de Théséus dans le film Les Immortels ou Immortals. Donc c'est un glaive qui équipe l'armée des Hoplites dans le film et qui équipe Théséus. Théséus que voici. Donc voici donc l'acteur, vous le voyez ici. Si vous reconnaissez, vous avez vu le film, vous savez qui c'est. Cet acteur fait aussi donc Superman. Ben voilà, c'est un acteur qui est quand même relativement connu. Donc il s'agit du glaive du film. Licence officielle Universal Studios. Acheté chez Movie Object Reproduction, comme d'habitude, hein, chez mon cher monsieur Mirabella François. Certificat d'authenticité. Ici, voilà, hop. Donc, Immortal. C'est une boîte, j'en ai rarement, mais ici c'est une boîte imprimée. Donc, imprimée, donc voilà, vous avez l'acteur avec, donc normalement vous ne le voyez pas ici, mais avec le glaive, donc en main normalement. Mais j'ai reçu aussi ceci, un poster du film. Je vais essayer de le dérouler devant vous. Donc voilà le poster du film. Film sorti en 2011, le 11 du 11 2011. Et vous voyez donc le glaive est dans sa main. Voilà, petit poster, certificat d'authenticité, sympa. Boîte imprimée, immortale. Donc voilà, vous voyez l'armée des Hoplites avec le glaive. Voilà, vous avez différents marquages. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur cette boîte, mis à part qu'elle est quand même vraiment bien décorée. Et elle vous dit tout de suite ce qui s'y trouve. Alors, on va passer donc à l'ouverture de la boîte. J'ai été assez surpris parce que la qualité, encore une fois, est au rendez-vous. Donc, voici l'objet. C'est assez lourd. En fait, le fourreau est assez lourd. Donc, hop, je vais me débarrasser de la boîte. Donc, voilà, une boîte simple avec polystyrène, hein, comme tout le monde. Hop. Alors, que dire au premier abord, ben voilà. Donc, voilà le glaive de Théséus et qui équipe l'armée des Hoplites. Donc, le fourreau, franchement, le fourreau vraiment très bien décoré. Voilà, un fourreau, encore une fois, avec des motifs vraiment très détaillés. Attendez, petit problème au niveau de la batterie, voilà, c'est fait. Comme vous le voyez ici, un fourreau richement décoré au niveau des dessins. Vous avez pareil au-dessus du fourreau. Il y a quatre ceintures en cuir. Il y a quatre ceintures en cuir, donc vous les voyez ici, quatre ceintures pour pouvoir donc le mettre autour de soi. Et alors ici, entre les deux ornements du fourreau, vous avez une partie qui est en... Je pense que c'est du simili-cuir. Je pense pas que ce soit du cuir. J'ai un doute, mais bon. Voilà. Donc, en gros, pour le fourreau... Donc, je vais sortir le glaive. On met le fourreau de côté. Puisque l'objet qui nous intéresse, c'est quand même le glaive. Alors que dire, je suis assez surpris parce que bah ici je peux la toucher avec les mains, hein, c'est une lame en inox, donc voilà, elle est vraiment, elle brille vraiment super fort, elle est vraiment superbe. Vous avez sur la lame le logo Immortel gravé, je ne sais pas si vous le voyez ici, je pense que si je joue un petit peu comme ça, vous allez le voir. Le logo des Immortals. Voilà, Immortel. Ben voilà, une lame vraiment très bien faite. Vraiment superbe. Au niveau du poids, de l'équilibrage donc du glaive,
Super bien fait. Alors, je suis assez surpris par la qualité du manche. Le manche est vraiment super bien fait. Je vais vous montrer ça. Regardez-moi ça. Attendez un petit peu. Richement décoré aussi. Regardez-moi les dessins. C'est juste superbement bien réalisé. Voilà, pour une licence officielle Universal Studios, je suis assez surpris. C'est un objet collector. Vraiment, ça rentre vraiment dans les objets collector, on va dire. Universal Studios, c'est quand même pas rien. Donc voilà, c'est une réplique qui est vraiment magnifique, magnifiquement en fait. Pour ceux qui ont vu le film, qui sont fans de ce genre de film, ben je leur conseille. Alors moi j'adore les glaives, j'en ai pas encore, c'est mon premier. Ce qui est sûr, c'est que le prochain glaive que je m'achète, c'est celui de Maximus dans Gladiator. Donc ça va être un événement aussi parce que c'est un officiel, hein, encore une fois, licence officielle. Et j'espère avoir le casque aussi, mais à mon avis, je les aurai pas en même temps parce que ça fait quand même presque 800 euros, donc c'est beaucoup d'argent. Mais le glaive est magnifique, le casque fait par Windla Studio, c'est vraiment de la top qualité. Donc voilà. Ben voilà, que dire de plus, un glaive magnifique, Universal Studio Signature. Superbement réalisé. Voilà. Avec donc le fameux fourreau aussi. Voilà. Que dire de plus sur ça? Ben voilà, mis à part que si vous êtes fan, moi je le conseille encore une fois. Tous les objets que j'achète généralement sont de qualité, sont vraiment bien réalisés. Donc voilà. Ben je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que cette petite présentation vous a plu. Je ferai quelques petites photos pour le groupe. Et je vous souhaite une bonne soirée et un très bon week-end. Ciao!